Il le sait parce qu'on en a parlé, hein. Il a été horrible avec moi toute la saison. C'est vrai? Horrible. Bah, il te met à l'heure direct, le mec. Il me dit, bon, écoute, petit, tu vas aller t'asseoir sur le banc. Hein. Et là, tu le regardes. Tu me fais une blague ou pas? Non, non, le mec, il rigole pas. Il avait mal quelque part. Je m'échauffais tout le long du match à l'arrivée, restais sur le terrain. On jouait un match de Coupe de France. Bah, il n'y avait pas grand monde au stade. Donc, bon, bah, contre le Havre, et il a un peu mal à la nuque. Il dit, bon, bah, je ne peux pas jouer. Va jouer au bout de. Tu vois? Mais en même temps, ça se passait bien et j'arrivais pas à comprendre cette situation. Tu vois? On joue le dernier match. Il m'appelle au téléphone à la fin du repas. Et il me dit, tu peux descendre, s'il te plaît. Et là, il me parle 4 heures, à m'expliquer pourquoi il a été comme ça avec moi toute la saison. Il me dit, ben, j'ai été obligé d'être comme ça avec toi parce que, voilà, tu m'as, même toi, avec ton jeune âge et tout, tu m'as obligé à aller un peu plus loin, un peu plus haut pour pouvoir préparer ma Coupe du Monde. Donc, il m'a remercié et il m'a dit, voilà, ça sera mon dernier match, après, c'est à toi.